Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une nouvelle session de sensations et découvertes d'expériences en VR. Et on va aujourd'hui tester ce Res Infinite. Alors franchement, inconnu au bataillon, on va le découvrir ensemble ce qu'il en est. Donc une expérience en VR, somme toute, assez bizarre de ce que je vois là déjà au premier plan. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. On va voir un peu ce que ça donne. L'objectif, c'est pas forcément de faire une session de 2 heures, sauf si le jeu est extrêmement bien, mais plus de découvrir ce que peut donner des jeux différents, en VR, et c'est de faire un peu cette petite opinion. Allez, on lance. Sélectionner, jouer à Res, sélectionner, choisir retour. Je vais choisir quoi? Zone X. Jouer. Bon, alors je sais pas ce que ça change. Donc jouer. Voyage. Jouer en mode débutant sans jeu sans fin. Bon, on va tester en débutant parce que je sais pas ce que c'est. On va voir ce que ça donne. Alors j'avais préparé, je sais pas où ils sont, au cas où, mes PS Move, mais là a priori ça se joue avec le DualShock, donc ok. Je sais pas ce que je dois faire en fait. Je dois faire quoi, hein? Ah oui, ça c'est la visée, d'accord. Avancer, reculer. Verrouiller et tirer. D'accord, ok, pardon, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Comment le regarder la direction que vous voulez vous déplacer avec le casque. Donc c'est le casque qui fait l'orientation. Ok. Un petit réticule là. Destination. Objet rouge. Attaque imminente. D'accord. Donc il faut que j'avance. Oh putain, c'est perturbant parce qu'en fait on est dans sorte d'espace, enfin je sais pas si c'est vraiment de l'espace, où il n'y a rien. Donc le VR en fait te procure pas vraiment, parce que le VR ça marche bien quand tu as du décor, quand tu as quelque chose autour de toi. Là c'est le vide absolu quoi. Donc tu sais pas trop ce qu'il faut faire. Donc je sais pas. Bah là je suis l'objet vraisemblablement, mais alors quoi d'autre, je ne sais pas. Moi, je vais plus pouvoir te suivre, mon petit objet. Mais je fais quoi? Si c'est ça, je fais quoi d'autre? Ok. Ah oui, d'accord, faut tirer dessus. Depuis tout à l'heure, je me disais ce qu'il faut faire. En fait, tu tires dessus, d'accord. Je pensais qu'il allait se passer quelque chose. En fait, il faut tirer avec le bouton croix. Pardon. Excusez-moi, je vous ai fait poireauter pour 1 heure pour rien. Ah, ça ressemble à un jeu musical. Ça ressemble à un jeu musical. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup. Oh, faut être hyper speed, hein. Ah oui, tu peux aller plus vite, tu n'es pas obligé d'y aller doucement. Tu peux aller comme un bourrin, même rater ta cible. Wouah, c'est joli. Enfin, c'est joli. C'est hyper lumineux. Ah, faut pas être épileptique, hein, je vous le dis de suite. Ah ouais. C'est jeu lumineux, avec un peu du rythme. Donc, il faut toucher ses ennemis en rythme. D'accord, ok. Je vous cache pas que j'y vais un peu à tâtons, parce que je sais pas du tout ce que je fais. Si ce n'est... Waouh, ouf, putain, c'est... C'est joli, hein. Enfin, c'est joli. Attention, hein.
l'impression d'être dans la matrice, quoi. Ouais, clairement, faut pas être épileptique. Je vous le dis de suite, c'est pas le genre de jeu pour épileptique. Par contre, alors c'est agréable en termes d'immersion, mais c'est pas le genre de jeu qui vous donnera de la sensation. Voilà. C'est pas le genre de truc où tu dis, oh putain, j'en prends plein la gueule, je me fais secouer dans tous les sens. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout, du tout, du tout ça. Bon, pour le moment, je dégomme un peu tout, mais je sais pas du tout ce que je fais. Je dois vous avouer, j'y vais... Enfin, si, je tire sur des ennemis, mais c'est tout ce que je sais. J'espère juste qu'il y aura des petites variations de plaisir, parce que bon, c'est joli, c'est sympa, mais si ça reste là, c'est pas non plus... Par contre, c'est... visuellement, c'est assez joli. Alors, c'est pas la prouesse technique, mais il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce monde un petit peu filaire. J'aime bien. Bon, je tire, mais je sais pas sur quoi, en fait, hein. La musique est hyper entraînante, alors il faut aimer ce genre de musique, je suis d'accord. Mais c'est très entraînant. En tout cas, ça correspond bien effectivement au type de jeu. Il en vient de deux partout. Hein. C'est très... C'est très... J'allais dire psychédélique, c'est peut-être pas le bon terme. Ah. Alors je dégomme des trucs, mais je sais pas ce que je fais. Ah, un cube. Là, c'est clairement la matrice, là. C'est Matrix, là. Est-ce qu'il faut que je fasse plusieurs... Je serais curieux de savoir si le tir automatique fonctionne. Oui. Le tir automatique fonctionne. Semble fonctionner, en tout cas. Ah non, attends. Non, attends. Si je garde appuyé... Il se passe... Non, il se passe rien. En fait, c'est comme s'il gardait plusieurs ennemis en boucle. Bon, tout ça, ce que je vous présente, ce sont des jeux qui sont soit gratuits, soit offerts sur le PSN. Hein. En l'occurrence, celui-ci, c'était un vieux jeu qui était offert il y a quelques années sur le PSN. Hein. Mais je me fais tirer par où? Ah, derrière. Ah oui. Tu gardes appuyé et après tu tires. D'accord, ok. En fait, si tu gardes, soit tu fais un tir, chaque fois tu appuies sur croix, soit tu gardes appuyé sur croix et tu choisis tous ces ennemis, tu les sélectionnes. Voilà, là j'en ai sélectionné et après tu lâches et ça dégomme tout. D'accord, il faut suivre la cible en fait. D'accord. Ah, j'ai perdu le cible, là. Je vais me recentrer. J'essaie de me recentrer parce que je suis pas bien... Voilà, là, je suis bien centré. Voilà, c'est bon. C'est pas mal du tout. Alors ça, c'est pas forcément le jeu auquel je vais revenir jouer, je vous cache pas, mais visuellement c'est vraiment pas mal, c'est très entraînant. Donc en clair, pour résumer, tu te mets sur avec ta tête, tu vises les cibles avec le petit réticule que tu vois. Tu accélères avec le L1, tu ralentis avec R2 et après tu tires avec le bouton croix, tout simplement.
C'est pas mal, hein. Pas mal, ça rend bien. Allez, on accélère. Allez, on va faire peut-être encore... On est au niveau combien? 4, je pense. C'est fou ce que peut nous proposer le VR1. A mon avis, il faut choper d'abord tous les satellites dans l'ordre. Pas mal. Bon, attention, hein. C'est pas mal. Voilà, c'est un jeu comme ça, je le mets pour la première fois. C'est plutôt sympa. Je pense que c'est le genre de truc où je pourrais vite me lasser, par contre. Voilà. Pour une première expérience... Ah mince, ah ben je me suis fait shooter. Pour une première expérience, c'est plutôt sympa. Bon, a priori, rien de vraiment dégueulasse. Ah, il faudrait que j'accélère peut-être. Non. Il y a des satellites avant qui sont encore en état, celui-là peut-être. Hop, on va revenir. Oh, il y en a deux partout là, il commence à y avoir du monde, hein. Où c'est que je n'ai pas été? Est-ce qu'il y a un satellite que je n'ai pas fait? Voyons voir là. Bon, on va aller voir. Lui. Ouh, j'ai failli me faire tuer. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, voilà. Ça reste une expérience à vivre une fois, à tester, mais je... Ah, ça sent le boss. Pseudo boss. Voilà, le premier est fait, il doit en avoir un deuxième par là, non? Si. Ah, je suis désolé, je suis assez... Bizarrement, je suis extrêmement concentré pour pas essayer d'en oublier un. C'est bon ou pas? Non, il est encore là. Mais ça y est, je crois que je les ai toussés. Non? Et voilà. Et voilà, c'est fini. Vraisemblablement le premier niveau ou le premier des niveaux. Allez, on va arrêter là de toute façon parce que vous avez compris le concept. Ça me donne envie de continuer quand même. Allez, je me fais cela, après on arrête.
Ah, ah, il se passe quelque chose là. Attendez. Avant d'arrêter, on va voir qu'il se passe quelque chose, vraisemblablement. Ah non, on va arriver jusqu'à la lumière, parce qu'après moi, il faut aller jusqu'à la lumière. Qui c'était? Waouh. Ah bah on a bien fait de pas arrêter de suite. Ça aurait été dommage. Super joli, c'est vraiment super joli. C'est très plaisant, très agréable, franchement. Bah après, je répète encore une fois, hein, c'est voilà, c'est une fois, je vais pas le faire 25 fois le jeu, ça c'est une certitude. Mais en termes de visuel, c'est très 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 flatteur, c'est ça passe très très bien. Et voilà, ça y est. Parce que là, on a fini. Bonjour madame, enchantée. Ah, je pense que c'est là effectivement qu'on va arrêter par contre. Ah non, toujours pas. Depuis tard, je dis on va arrêter, j'arrive pas à me dépéguer. Alors que je dis que c'est pas le truc le plus exceptionnel qui soit, c'est fou, hein. Oh, wow, ça passe très 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 bien. Bon, vous qui le regardez, je pense que ça doit vous donner un peu mal à la tête et mal au cœur. C'est pas impossible. Mais moi qui suis dedans, franchement, ça passe très très bien. Aucune notion de nausée, rien du tout. C'est pas la même chose que quand tu es dans un environnement complètement clos. Oui, quand tu es dans une voiture, dans un roller coaster ou un truc comme ça. C'est pas la même chose. Là, tu es dans l'espace, donc tu as pas de notion de délimitation. C'est juste le côté hyper immersif, quoi. Et effectivement, musicalement parlant, ça passe bien. Ça passe très bien. Après, si tu n'aimes pas ce genre de musique, effectivement, tu passes à côté du truc. Et pour le reste, ça passe très très bien. Bon, on va arrêter parce que sinon j'allais pour 3 jours, on va jamais arrêter. Mais franchement, c'est très 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 sympa. Alors, je sais pas vous ce que vous en avez pensé en tant que viewer, vous me le direz dans les commentaires, mais moi en tant que joueur, j'ai trouvé ça extrêmement plaisant. Et comme je l'ai dit, visuellement c'est joli, c'est pas du tout écœurant, c'est pas du tout en termes de hauteur, il n'y a pas rien à ce niveau-là. Par contre, le seul hic que j'y trouverais, c'est effectivement. Ça peut être un petit peu ennuyeux à terme. Donc voilà, là j'ai pris du plaisir à le faire sur une durée assez courte, mais je ne suis pas convaincu que ce soit aussi plaisant et aussi agréable à faire quand tu vas se le faire sur une durée plus longue. Je ne suis pas sûr que tu t'amuses à le remettre tous les 3 jours le jeu en disant ah, je vais absolument en refaire une partie. Voilà. C'est le seul hic que j'y dirais, mais pour le reste, c'était plutôt plaisant. Voilà, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Et en attendant, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne journée. On se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure en VR. Et on se dit à très bientôt. Salut à tous.